C'est parti pour un nouveau live. En direct. Les gars, ce qui se passe en ce moment. Ici, qui est en train de revenir très, très, très fort. En ce moment. Qu'est-ce qu'elle a la manette? Je crois qu'elle buguait. Je crois qu'elle buguait la manette. Et à côté, de l'autre côté du duel. L'autre côté du ring, ta CR7. Prépare les citrons. Prépare les limonades. Je suis méchant, bordel. Mais c'est la vérité, quelque part. C'est triste, mais. C'est vraiment triste. Mais c'est ça, quelque part. Comment dirais-je? On va continuer le mode carrière, mais ce qui se passe en ce moment. C'est compliqué pour CR7, bordel. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que vous avez vu le match de Messi tout à l'heure cet après-midi là? Choquant. Il a fait une passe. Enfin, il a fait une transversale. À partir du rond central. Transversale à ras de terre en direction de Neymar. Mais la passe, elle était, mes jours, magistrale. Elle était magnifique. Genre, waouh, c'était incroyable. J'avais jamais vu ça, bordel. Mais la passe, elle m'a choqué. Je l'ai revu. Tellement c'était beau. Tellement c'était magnifique pour vous dire. Franchement, c'était waouh. Waouh. On va faire de la réunion pour se chauffer. Mais comment dirais-je? Choquant. Mais même son match en entier. Son match en lui-même. Après, il te met un but des 35 mètres comme ça. Genre, tu sais, comme quand il était au Barça. C'était waouh. C'était inarrêtable la frappe. C'était waouh. C'était magnifique. C'était magnifique. Et en plus, je crois, il est double passeur décisif. Trois fois passeur décisif. Ce joueur, il fait mal au crâne. Il se dirige vers un nouveau ballon d'or. Vous imaginez un peu le truc? Il se dirige vers un nouveau ballon d'or et l'année dernière on se dit ça y est, il est fini, il est terminé. Et laissez-moi tranquille, je vais faire de la reine. Il se dirige vers. Comment on appelle ça? Il se dirige vers. Dites-moi si vous voulez que je fasse des tutos techniques. Moi en réalité, début d'année, je me disais cette année c'est pour Mbappé, cette année elle est pour Mbappé le ballon d'or. Mais là avec Messi, ce qu'il fait. C'est waouh! Genre, c'est limite, tu peux. Tu t'inclines face à ce qu'il fait. Tu t'inclines. Franchement, c'est très très fort. Il est d'un niveau stratosphérique. On dit Haaland, le cyborg, je sais pas quoi. Non, mais c'est pas un cyborg, Haaland. Quand on regarde ce que fait Messi à côté, c'est Messi le cyborg. Qu'est-ce que vous racontez? C'est Messi le cyborg, oui. Haaland à côté, ce qu'il fait, c'est juste planter des buts. Hein. Mais lui, il fait le jeu, il construit le jeu, il marque des buts, il crée des occasions, il crée des ouvertures. Mais des coups francs, qu'est-ce que tu veux de plus? Ça, le cyborg, frère, ça c'est une machine à tout faire. Imagine, tu rentres ça, c'est un élément indispensable. Putain, t'imagines? Voilà, c'est invraisemblable, en tout cas, invraisemblable. Un instant, les gars. Cliquez ici pour vous abonner. Mais c'est vraiment incroyable. Aïe. Moi, c'est choquant, franchement. Trop, très, 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 très choquant. Ce qu'il est en train de faire là, c'est très fort. Très, très fort. C'est fabuleux. Mais même moi, d'ailleurs, je me retaper le match après là. Je termine le live, je me retaper le match rien que pour le plaisir. Franchement, c'était un match fabuleux. Après, je sais pas si vous avez vu le Barça. Barça contre Valence, c'était un match franchement compliqué à regarder. J'ai souffert, franchement, mes yeux, ils ont souffert. Franchement, c'était mon crâne, il n'en pouvait plus. C'était un match, je me disais, vas-y, c'est quand il se termine le match. Je pensais qu'il allait terminer à 0-0. Mais non, il se termine pas à 0-0, il se termine à. Ah, c'est pas ça que je veux faire. Ah, c'est. Ah, c'est ça. Ah, c'est plus, les croquettes, elles ont changé. Bref, oui.
Un instant, je regarde, je mets un truc vite fait, les gars. Je vais regarder un truc, un petit. Un instant, s'il vous plaît. Mais un instant, pour revenir à ce que je disais, un instant, je n'ai pas terminé. Mais un ressemblant, parce qu'il est en train de tout produire là. Mais après, je sais pas si CR7 il va rebondir là en mercato d'hiver, ou est-ce qu'il va rester à Man United. Il va jouer une ligne gros pas. Certes, on dit qu'elle va être relevée, mais moi je vois pas en quoi elle va être relevée. T'as un Arsenal qui revient des catacombes. T'as Barcelone qui fonce vers les catacombes. T'as Man United qui. S'il vous plaît, ne me dites pas, ça va être. Oui, des grosses équipes. À quand? En 2005, oui, des grosses équipes. En 2005, c'était des grosses équipes, oui. Mais là, à l'heure actuelle, c'est pas des grosses équipes. Qu'est-ce que vous me racontez? Même là, vous les mettez contre Francfort, contre je sais pas qui. Ça a pas le niveau. Ça n'a pas le niveau. On le voit clairement en Ligue des Champions, ils ont pas le niveau. En réalité, Barcelone. On parle de Barcelone, juste Barcelone. Barcelone, en fait, c'est une équipe. Deux ballons, on est d'accord sur ça. On est d'accord sur ça, c'est une équipe de ballons, Barcelone. Tu peux pas Alors, faire, tu peux pas Barcelone, faire quelle équipe plus belle équipe CR7 de vraiment ballons que une Barcelone. surprise pour vous? Regardons vos réponses. On peut pas faire plus belle Football équipe est que pour moi ce Barcelone sport que d'imperfection, au niveau du jeu de d'adaptation, ballon. Franchement, c'est d'engagement, magnifique. de Ouais, volonté, ils savent d'ambition, tenir le d'humilité, ballon, jouer, nanana, jouer à la d'humanisme, paballe et tout. d'ambition, C'est d'humanisme, magnifique pour Barcelone. Ils d'ambition, savent très bien faire ça. Ça d'ambition, mène de la récolte. d'altitude, Vous voyez? d'ambition. Mais Alors, après, pour aller gagner les Barcelone, matchs, Saïd pour aller Amara, vous avez tenir. fait un Pour aller magnifique travail. produire quelque chose, pas comment Vous dire, avez fait un magnifique travail. être Maintenant, la vérité est cet simple. Vous élément êtes genre arrivé à faire qui de cette va équipe être une équipe décisif durant un vraiment match de, par exemple, de impressionnante, Ligue Champion, d'ambition, vraiment. C'est les matchs décisifs là où tu dois être vraiment décisif à chaque d'humanisme, poste, enfin d'impervissement et de son à dernier chaque mètre. Et nous sommes élément arrivés du à enfin, chaque l'avantage partie de du terrain, l'humanisme, genre un milieu de défense et des trucs, mais t'as d'humanisme pas, et genre d'impervissement et de un travail. Pedri et un Gavi, Aucun c'est joueur très n'est fort, hein, arrivé à d'accord, pareille mais en impervision, Ligue des Champions, ils ont d'impervissement pas le truc de et Modric, ils ont d'impervision pas le et truc d'impervision. du. Du Et nous cross, ils sommes ont pas le truc du arrivés à faire de Tchouaméni, cette ni. équipe Non, non, ça manque, une ça équipe manque, ça exceptionnelle, manque. Il y a quelque chose qui manque. capable de Et on le relever ressent cette dans les équipe derniers matchs, et contre le face au d'imposer Bayern. une nouvelle On le impression voyait, culturelle il à tenait la l'entraîneur, balle. capable Il de tenait la relever balle, cette il y a tout. équipe et Mais d'imposer une nouvelle c'est juste pour philosophie la faire de jeu tourner, à c'est pas l'entraîneur, pour percuter, c'est pas capable de pour. Je sais relever pas cette comment équipe dire. et Il d'imposer une manquait nouvelle quelque impression chose. culturelle à Désolé l'entraîneur, le capable de Barcelonais, relever cette mais. équipe et d'imposer une nouvelle impression culturelle à Limite, l'entraîneur, en capable de fait, relever les cette équipe et Barcelone, d'imposer une nouvelle impression ils étaient culturelle à limite l'entraîneur. contents Je sais que c'est le terme, de perdre que utilisé souvent par 2-0. la presse T'imagines, catalane, Barcelone, justement, les et dans Barcelonais, ils l'émission étaient limite Football contents. Manager, Moi, j'ai que des l'entraîneur amis qui de supportent Barcelone. l'entraîneur Mais sort dis-toi, ils et disaient, dit ça "Mais va, on a comment pris est-ce que qu'on peut perdre 2-0, c'est le contre une Bayern, équipe hein, comme ça va. Barcelone, comment est-ce qu'on peut perdre Tu te rends contre compte, si vous, je sais, l'entraîneur bah c'est bon, alors on va quitter ça là. Vas-y. de Mais tu te rends compte, l'entraîneur voilà le délire. Le délire qui a incroyable capoté quand même. pendant des années C'est et qui incroyable de aujourd'hui dire ça. s'écroule, alors C'est que nous sommes Barcelone, arrivés c'est avec un pas. engouement phénoménal, Quand même. l'impression que le domine, on C'est est là où tu vois qu'en une réalité, correspondante qu'en avec vrai, ce qui ils ressort de sont cette là où ils compétition méritent en et fait. d'humilité. À partir du moment où J'ai une tu question dis, pour vous. Est-ce que vous où tu pensez te que le fait dis, d'utiliser le ça PSG va, pour une marque qui compte c'est plus que le football Barcelone, PSG genre, est ça va, on a acceptable? perdu 2-0, ça va, on a Est-ce perdu que le 2-0, fait donc d'utiliser que le PSG 2-0, c'est que 2-0. pour une On aurait pu marque qui prendre compte plus, plus mais que c'est le que 2-0, donc football ça va. PSG est Tu vois, à acceptable? partir de ce moment-là, tu peux pas dire cette équipe, elle va aller loin. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là? J'ai envie de faire du carrière. Là, moi, je fais de la dé, je sais pas ce que je vais. Sûrement la fatigue, il est 2h du matin. 2h du matin, sûrement la fatigue, les gars. Sûrement la fatigue. Désolé, les gars. Mais comment dirais-je? Aïe, 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 cette année. La fin, est-ce qu'on dit ça sent la fin? Comme l'année dernière, quand on disait pour Messi, ça sent la fin. Je sais pas trop, on verra, on verra. Moi, j'ai pas mis d'intérêt tout de suite à CR7 parce que franchement, moi CR7, je le kiffe CR7. Je vais pas vous mentir. Là, de le voir comme ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine pour le joueur qu'il est et tout. Il mérite pas ça. Je sais pas quoi, Ten Hag, là, je connais même pas son nom entier. Mais je sais pas quoi, Ten Hag, il. Je sais pas. En tout cas. Sent pas bon pour CR7 les gars. En tout cas avec Koundé là il est parti Messi pour qu'il rattrape son retard. Je dis qu'ils ont perdu 2-0 mais ils ont perdu 3-0. J'ai même pas vu la fin du match pour vous dire. En fait j'ai vu un petit résumé, c'était je me suis arrêté au 2-0. Mais ils ont pris 3-0 par les.
En plus au Camp Nou. Camp Nou, normalement, c'était des équipes. Tu dis Barcelone, c'est imprenable. Mais ils sont pas au niveau Barcelone. Pour revenir à Messi, c'est épatant. Épatant, les gars. With Mbappé! Oh là là, incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, les gars, en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais si, c'est quelque chose. Après, moi, je dis, bon, comment dirais-je? Je sais pas s'ils vont aller loin cette année, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, je sais pas s'ils vont aller loin en Ligue des Champions. Mais en Ça y est, réalité, le Ballon l'équipe d'Or, ça adverse va est dépendre prévue. du parcours Aujourd'hui, il y a une déjà très grosse en Ligue attente des Champions. évidemment autour de ses premiers Ça pas. va dépendre On de se ça. retrouve pour vivre ça. De leur parcours en Ligue des Champions. On va dire s'ils dépassent l'écart, il a Messi Ballon d'Or. S'il fait Bonjour à fait une toutes et bonne à Coupe du tous. Monde. C'est la Coupe du Monde, elle Les va temps compter sont aussi cette jeux, vous année. le voyez, Faut sont l'oublier. parfaites. Les tribunes, évidemment, sont bien garnies. Bref, tout est en Pardon, j'ai place trop tôt. pour un magnifique spectacle. Omar, et oui, c'est lui, Benjamin, bien sûr, c'est Allez, moi. c'est parti, Nous on se sommes concentre un en peu. première loge pour vous faire vivre cet événement Mais. et le tournoi d'avant-saison qui continue Joli. avec cette deuxième D'ailleurs, tout à l'heure, rencontre entre Bruno je vais faire un et petit Bétis. match Barcelone. Non, Oui, Argentine-Portugal deuxième pour voir. match de phase de groupe pour la Je septième vais protester un peu compétition les équipes de la nationales. Fédération. C'est l'occasion de faire des Oh, on nouveaux entend essais en bien! vue de la saison à On venir. entend bien le Ça public. va être très intéressant. Pas mal, le ballon circule bien. Allez, c'est parti. Van Dijk. Je suis concentré, les gars, attention. Ballon pour Mathieu. Let's go! Alexander Arnold. Personne qui propose là en haut. C'est un ballon pour Matip. Mais non! Le ballon est intercepté. Voici la compo de Liverpool. Dans le but, on retrouve Alisson. Jordan Henderson sera accompagné de Thiago Alcantara au milieu. Allez, vas-y, va, Darwin Fabinho. Nunez. Reste là, reste là. Il n'est pas dangereux. Allez, vas-y. Guardado. Très bonne progression, balle au pied. On a acheté Foden, les gars, 150 000 euros. Canales avec la balle. 150 000 euros, il m'a ruiné. Le ballon est Allez, intercepté, vas-y. c'est une bonne récup. Allez, Foden. 150 000 euros, montre-moi qu'il est beau. Foden, il peut avancer. Quoi? Qu'est-ce que tu me fais, Foden? Geste, oui, Ça là, et tu connais plus bien que ça, fait, ça là. Mieux à faire. Ballon pour Thiago Alcantara. Thiago. Let's go! What the go! Alcantara! C'est magnifique. Ça sent la qualif ou pas? Il y avait le feu dans Magnifique cette construction de balles. Ah, le système, hein, ça a payé. Hein, changement de système. Absolument. Ça a payé, ça a payé. Frappe à puissance comme ça, c'était obligé que ça rentre. Obligé que ça rentre. C'est un peu le bordel derrière moi, mais regarde, faites pas attention. Faites pas attention, les gars. Oh, se concentre sur le jeu. Allez, c'est parti. Let's go, tchou! Ouais, ma chambre est un peu en bordel. Canales. Clairement. Oh! Chef! Pour Andrés Guardado. Allez, l'attaque! Pour Fekir. La frappe est bien contrée! Ouais, bonne agressivité à la récupération. Oh, la frappe! Alisson, c'est ça! Ouais, c'est bon! Allez, Fabinho. Ça construit. Van Dijk. Il m'énerve parce que l'arbitre, il a vraiment des couleurs. On dirait que c'est un joueur de. Allez, c'est parti! Ah, c'est pour Phil Foden. Et oui, c'est un ballon en sortie de but. Dégoûtant! Je la voyais au fond, ça là. What? Ils sont sérieux à quelle heure je la touche? Nabil Fekir. Ah, Fekir, je l'avais oublié lui. Ah, mais le contre Atletico, je crois qu'il a fait un match Fekir à skip là. J'ai des potes qui soutiennent le. Ah, le ballon intéressant. Le ballon oh le my gosh! Avant la mi-temps en plus, si. Moi j'espère hein, pour la France.
pour l'indice UEFA surtout. Qu'on prenne 3 et... Qu'on passe devant... Enfin, là c'est possible que le Portugais il passe devant nous. Hein. Pour ça, c'est vraiment important que les Français ils assurent en Europe. Super important. Imagine Portugal passe devant en fait. Finalement, le centre ne donne rien. Après ça serait mérité parce que franchement le... Thiago. Ah, très haut. Le ballon est récupéré. Let's go! Il va aller chercher ce ballon. Allez, allez, la défense. Je fais des passes, je suis pas concentré. Vas-y. Oh, André, c'est... Le ballon est sauvé. Cette tête semble aïe, aïe, aïe. Dans le but. Superbe intervention. En deux temps. Comment ça? Il me contourne, il est sérieux, lui. Le tir de Fekir. Et un ballon ouais. Capté tranquillement par Alisson Becker. Vas-y, on calme le jeu. Fabinho. Ouais, c'est intercepté. Liverpool qui perd le ballon. Et le tir, attention. Et voilà, cette action se finit possible. De manière assez inoffensive. Calme le jeu, calme, calme, calme. Sans trop de problèmes. Regrettable, parce qu'à cette distance, ça doit faire but. Leicester. Allez, déborde. Officiellement, ce transfert qui se murmurait un peu partout. Voilà, c'est enfin réglé. C'est toujours de l'équipe. C'est c'est ça. Mais oui, il vient d'arriver 150 000 euros, c'est normal qu'il y ait 150 millions, hein. 150 millions, bordel, j'ai payé. Il m'a fait mal. Il m'a fait mal, même son salaire, je savais pas si j'allais pouvoir le payer ou pas, du tout. Moi, je l'ai trouvé, c'est tombé. Go! Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Let's go, let's go. Vas-y, Nunez. Guido Rodriguez. Un ballon récupéré. Voilà, construit lentement, tranquillement. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Vas-y, Salah. Ah, ça joue avec Salah. Ouais, Salah. Salah. S'il te plaît. Voilà, fais l'effort, fais l'effort. Et le changement va donc avoir lieu. Là, on va tester pour voir. Le corner bien tiré. Le ballon est mal renvoyé. Ça peut profiter à l'adversaire. Le centre évidemment en direction de ses partenaires. Let's go! Virgil van Dijk. Il est là. Let's go! Je l'ai vu. C'était téléphoné celle-là. Celle-là, elle était téléphonée. Le dégagement est raté. Mais non, ça c'est pour après, les gars. Qu'est-ce que vous faites, RMC? Un moment, si tu ne sais pas, mets un pointu. Tu fais quelque chose. Ne reste pas comme ça à attendre. Ouais, dans le dos de la défense, ça peut être dangereux. Eh oui, le tir. Ah, après, je crois qu'ils sont vraiment pas dangereux, mais. Je me fais des frères tout seul, en fait. Voilà, comme là. Ouais, c'est un pressing efficace. Il prend sa chance de loin. Intervention du gardien. What the hell? Quelle heure? Pour un remplacement. C'est une super frappe, mais tu l'arrêtes tranquille en réalité. Pas, tu il faut essayer. Le centre qui est contré. Foden, il est là. Il passe son adversaire. Et voilà une parade, mais ce n'est pas fini. Ouais, mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Carvalho. Guido Rodriguez hérite du ballon. Le ballon pour Sergio Canales. Et le but, ce but. Minerve. Défense dégueulasse. Matip, réveille-toi. Mais c'est sans doute trop tard pour combler leur retard. Base de l'an que vous êtes. Si tu récupères le ballon très haut, tu peux des suites. Non, même si je gagne 3-0, je n'ai pas de but. C'est bien joué. Compétiteur. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts à 1. Et ouais. C'est terminé, le coup de sifflet final dans cette rencontre. Dans la poche. Liverpool s'impose. Gocho. Oui, une victoire assez nette. 2 buts d'écart, ça donne le permis de crédibilité à cette équipe. Pas mal, pas mal. Vas-y. J'espère qu'ils vont pas me rouler des entraînements. Ah, c'est bon. Ah, c'est un bon de jeu.
D'ailleurs, qui joue demain? Attends, je vais checker vite fait. Je sais pas, y'a qui joue demain. Ah, mais y'a la Ligue des Champions qui arrive, là, qui reprend là, bientôt là. Enfin, elle a déjà repris, mais c'est. Comment dirais-je? Oh non. Attends, je suis combien? Barcelone, on parlait de vous, on est là, on est là. En vrai, si je les gagne, si je les mets dans la poche, franchement, je peux prendre le trophée. J'ai de remonter à 7, ça me saoule. Je sais pas si vous en avez vous à chaque fois, les gars, mais remonter à 7, c'est horrible. Ensemble. Match PL. Match PL, s'il vous plaît. Un instant, les gars. Perdu! Ils ont perdu! 2-1 contre Leeds. Oh my gosh, moi qui me disais que. Comment on appelle ça? Ils sont en train de revenir. Ah! Chelsea, ils ont perdu 4-1 face à Brighton. En plus, ce match, je voulais trop le voir. Il était là sur Canal Plus. Je me dis, vas-y, je vais le mater, je vais le mater, je vais le mater, je vais le mater. Tottenham, ils ont gagné contre Bournemouth. Après, ils ont pris deux buts. Donc, Marseille, je me dis, tu sais, ils ont gagné 3-2, mais je me dis, Marseille, ils ont une petite. Parce que Bournemouth qui met deux buts à un truc, je me dis quand même, Marseille, c'est un peu plus fort que. Voilà, hein, on est d'accord. Man City, ils sont dans le dur, Man City, en ce moment. Des 0, des 0, 0, 0, etc. Ah, demi Arsenal. What the hell? Newcastle, il rouvre une puissance 4-0. Je sais pas, peut-être que je vais commencer à les tiquer un peu. Moi, là, s'il y a des supporters de Newcastle, mais. Je crois qu'il y a Guimarães, il y a Paqueta, je crois, qui a signé là-bas. Mais après, ouais, ça doit être une belle équipe en réalité. Après, demi Arsenal. Contre Nottingham Forest. Bon après, je sais pas trop. Bon, Arsenal, en fait avant, avec KB, Arsène Wenger et tout, je les aimais bien, j'aimais bien regarder leurs matchs et tout. Mais après, en fait qu'il y a eu la cassure, j'ai eu. En fait, j'arrivais à les regarder, mais après, j'avais vraiment beaucoup de mal. Beaucoup de mal à regarder Arsenal parce que. C'était. Je retrouvais plus ce truc de. L'époque de Thierry Henry, Vieira, etc. et tout. Je sais pas vous, si vous avez connu cette époque-là, cette époque stratosphérique de. Comment dirais-je? De comment on appelle ça? Comment on dirais-je? Comment on appelle ça? L'équipe des Invincibles d'Arsenal, là. Cette équipe-là, c'était une équipe. Puis le football. C'était des machines. Thierry Henry, machine, machine. Man City premier, Arsenal deuxième, Tottenham. T'es même troisième quand même, hein. Ils tiennent Arsenal dans le mental. Après Antonio Conte, c'est un mec. Lui en fait, Conte, tu l'amènes, il te ramène des trophées. Tu l'amènes n'importe où, il te fait gagner le Scudetto, il te fait gagner la première ligue, il te fait gagner la Liga. Lui en fait, c'est un mec de saison, c'est un mec sur. Je sais pas, je sais pas pourquoi, mais il arrive à donner aux équipes le mental pour aller chercher le titre, pour tout le temps aller chercher la gagne. Et même quand c'est compliqué. Et bien, il va chercher le nul, tu sais, qui est nécessaire. Il va aller te le chercher. Non, Conte, il fait du bon taf, il fait du bon taf. Troisième, ça fait longtemps que Tottenham, ils n'ont pas eu cette position déjà en début de saison. Ça a toujours été dans le dur, Tottenham. Après, je dis les Man United, ils sont dans le dur, mais ils sont tout le temps comme ça, Man United. C'est une fois oui, une fois non. Tu vois, vous voyez. Mais je sais pas comment ils ont fait, eux. Ils ont joué, ils ont pas joué, je crois. Je crois qu'ils jouent demain, non? Ouais, je joue demain. Oh ouais! Je joue demain face à West Ham, ça va être un gros match, 7h. On va se le mater un peu. Ouais, je crois que je vais regarder ce match, moi qui voulais regarder un petit match. Ok, je vais regarder Manchester United. D'ailleurs, on va voir si y a Ronaldo joue, on va voir. On va voir s'il n'y a pas préparé le citron. Hein? Il faut chercher le citron. Ça va être compliqué, tiens. Je vous le dis. Hein? Bon, après voilà. Hein. Petite équipe là. Hop. Bon après je sais pas trop. Bon allez, moi je continue. Je continue. Mais je crois qu'ils vont me couler des entraînements là. Ils vont me casser la teach. C'est parti. Let's go. Entraînement, vas-y. On fait un petit match des jours.
Tu m'as dit des choses là, je divague. C'est la fatigue qui fait ça, qui fait ça. K.O. Cendre, magnifique. Là-bas. Mais vas-y, passe-lui devant. C'est bon déjà. Mais non, elle est pour toi celle-là. Yes. Elle est pour vous celle-là. Mais non, vas-y, fonce. Les petits enroulés comme ça, j'aime bien. Après, Liverpool, c'est vraiment une équipe de. Enfin, voilà, sur les centres, ils sont très très forts, ils ont toujours été très forts. Magnifique. Papa, 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 il marque du quoi? Du dos, il marque quoi? Je sais pas qui c'est lui là, le mec, mais c'est une technique c'était de centre, magnifique. Franchement, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les enrouler. Ça passe très bien, ça passe crème. Très plaisant, très plaisant. Oui. Let's go, tchou! Oh non, j'aime pas trop ça, c'est Van Dijk, il est chiant. C'est pas Van Dijk, ouais. Mais laisse-moi passer, espèce de nul. Mais Keita, je crois que c'était Mohamed Salah, Sadio Mané, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout encore là, lui? Tu veux pas me laisser tranquille, Van Dijk, s'il te plaît. Tiens que lui, il est pas technique, tu me mets face à lui, là. Mais arrête! Arrête de me suivre! Allez, Jota. Allez, Jota. Allez. Allez, arrête de faire n'importe quoi, wak. Mais arrête Van Dijk, viens sur moi, arrête de camper la position là-bas, bordel. Ah, je l'ai contourné, c'est magnifique. What the hell, what me day? Mais vas-y, t'as vu comment il s'est mis Van Dijk là, il s'est mis trop chiant. Alors, il s'est mis en position trop chiant, vas-y, c'est comme si j'allais refaire l'exercice. Mettez-moi des dés, mettez-moi ce que vous voulez, même un F. Trop joueur, ils m'ont mis un F, comme si c'était... T'as rien de la classe, c'était ouf. Tiens, il prend ça, c'était ouf. What the hell? Et tiens, oh, c'est dedans. Mon gars. Et tiens. Firmino. Ah, c'est bon déjà. C'est bon, je ne pas, frère. Laissez-moi la contrainte. Je vais faire mon petit match contre Barcelone. Franchement, Chelsea, choquant. Choquant, choquant. Par contre, quand ils ont viré, comment ils appellent ça, Tourelle. Tourelle, Tourelle, je sais pas comment vous dites. Mais j'étais choqué, j'étais abasourdi. Genre, ça va, il a perdu deux matchs, il a encore dans le truc. Ça faisait, je crois, un an et demi qu'il était là, je crois. Ils m'ont viré comme ça au calme. Je sais pas. Après, je sais pas, c'est parce qu'il y a eu des nouveaux dirigeants. Du coup, ils ont dit voilà. Ah, mais mes joueurs sont fatigués là, bordel, faut que je fasse tourner moi. Du coup, avec les nouveaux dirigeants qui sont arrivés, ils ont dit voilà, moi je veux un entraîneur que je vais mettre moi en place. Bon, après, d'un côté, j'ai des comprises de ce côté-là. Mais ils vont mettre qui? Zidane. Zidane ne va jamais venir pour Chelsea. Y'a qui derrière? Pochettino va revenir? Je sais pas, je pense pas. C'est gris. Salut à tous et à tous. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine. On espère que vous aussi vous êtes bien installés.
Benjamin Da Silva, Omar Da Fonseca, c'est donc avec la team Dada dans les oreilles que vous allez passer les prochaines minutes. Dernière. Qu'est-ce qu'il m'a fait Fabinho, c'est pas un dribbleur, comment je peux pas faire de dribble, s'il te plaît. Passionnant, Liverpool face au Barça. Pour l'instant, la priorité, c'est de finir. Est-ce que vous vous rappelez du Barça le mieux possible, Liverpool, c'était quoi, c'était un huitième de finale ou encore ou Origi, ou quelqu'un doublé. C'était un match, comment dirais-je, de légende. C'était un match de légende, ce match. Fabinho avec la balle. Nunes, s'il te plaît, viens demander la balle. Très bonne séquence de construction en attendant la faille. Il bouge pas, le bordel. Liverpool, voici donc le 11 qui débute dans le but. On retrouve Alisson, Van Dijk avec Joël Matip en défense centrale. Thiago Alcantara sera épaulé par Jordan Henderson au milieu. Et enfin, en attaque, Darwin Núñez. Ah, le voilà. Premier défenseur s'interpose sur ce centre. Et un ballon capté tranquillement. C'est vraiment du Barcelone. Voici la compo du FC Barcelone. Dans le but, c'est Ter Stegen. Frankie de Jong sera associé à Busquets au milieu de terrain. Fais un peu plus offensif, s'il vous plaît. Robert Lewandowski. Van Dijk. On retourne, hein, parce qu'ils ont mis le bus, on dirait. Avec Virgil van Dijk. Est-ce qu'ils peuvent m'enlever ce truc là-bas là, il me saoule. Sérieux. Fabinho. J'en ai marre de leurs défis là, bizarre, j'en couche de vos défis, laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Le centre de Salah. Le dernier mot à la défense, ballon bien renvoyé. Le centre est détourné. C'est pas pour toi mais bon. Tu peux pas être un peu plus, je sais pas moi, animé, bouger un peu, proposer, je sais pas. Je sais pas, tu veux, je sais pas, on va dire, si je prends Paris Saint-Germain, je te jure qu'il y a des appels partout. Là, on dirait, ça adore. C'est du Liverpool, tout craché. Dans le camp adverse. Comme en ce moment là. Il faut tenter sa chance. Mais vas-y. La frappe est bien contrée. On est obligé là. Ils ont mis le bus, on dirait, ils jouent contre je sais pas qui, ces enfants. Christensen, la balle pour Busquets. Je passe pas à toi. Le ballon pour Frankie de Jong. Ah, il faut l'aider maintenant. Et ça y est, c'est la pause, l'arbitre vient de siffler. Match compliqué, début de match compliqué, ils se jouent en ultra et dauphin. C'est normal, ils sont promis, ils veulent pas perdre. C'est normal, ils mettent le bus. Et mes joueurs, ils sont fatigués là. Je fais un changement à 70e. Le début de la seconde période avec ce match particulièrement équilibré. Les deux équipes font jeu égal, personne ne lâche rien et c'est passionnant. Jeu égal, oui. T'as tiré une fois, que je me raconte. Ah, le contact sans faute. Ah, il peut frapper, c'est un moment important. Voilà, Van Dijk. Le gardien qui écarte bien le danger. Ah, sans aucun problème, la défense va pouvoir relancer. Elle arrête sans difficulté pour aller. Vous avez vu la défense, les gars. C'est comme ça qu'on défend. Van Dijk. Ballon pour Matip. S'il te plaît, Alcantara, c'est monte. S'il te plaît, monte un peu. C'est officiel. Moussa Diaby a signé à West Ham. C'est l'occasion d'apporter un peu plus de qualité à cette équipe. C'est un très bon choix de leur part. Le crochet intérieur. Il va aller provoquer dans l'axe. S'il vous plaît. Faites-moi des efforts là. Battez-vous pour l'équipe. Maintenant. Le ballon pour Rafinha. Ah, il n'est pas bien donné ce centre et le gardien se saisit du ballon. Henderson. Robertson. Henderson. Mais c'est pas pour toi! Sur cette interception. Ça m'énerve, bordel! Lewandowski. Ah, que va faire Lewandowski avec ce ballon? Ah, ce ballon est récupéré.
Thiago. Allez, part. Le dernier quart d'heure. C'est qui ce joueur, sérieux? C'est qui ce joueur? Qu'est-ce que tu me fais? Bien défendu. Le tir. Il va tirer fou, putain. Dans les dernières minutes, le désespoir. Cassez la main. Mais de l'autre, c'est l'extase. C'est ça la magie du football. N'importe quoi, n'importe quoi. C'est ça, y est là, ils ont tué le truc. Quelle magnifique publicité pour le football. Putain. Mais vas-y, tu fais 2 mètres pour rien, ton zizi. M'énerve lui. 5 minutes à jouer encore dans ce match et juste un petit but qui sépare ces deux équipes. Oui, c'est un bon jeu, non? Ouais, vas-y, vite, c'est pour s'énerver. Oui, petit défaut de temporalité dans la profondeur. La porte était déjà refermée. Allez, une dernière chance de revenir pour Liverpool. Ah, ça joue avec Salah. Et ça là pour centrer. Et le panneau indique le temps additionnel. Une petite minute. M'énerveille. Le coup de sifflet final donc de l'arbitre. Liverpool perd la ronde. Vos frappes cheatées de merde là. Le coup d'envoi de ce match. Défense de merde du Liverpool. Bordel. Éclatax. Pour commencer le match. Sincèrement, pour le commencer. Les changements, ça veut dire quoi? Vas-y, on veut le trophée, salut, on veut le trophée. Salut à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous Fiché. Sommes bien installés dans notre cabine. On espère que chez vous aussi, vous êtes bien installés. Benjamin Da Silva, joueurs, et donc Omar Da Fonseca viré, dans la cabine de commentateur pour vous faire vivre ce match. Dernière rencontre dans cette phase de poule d'un tournoi d'avant-saison passionnant. Liverpool face au Barça. Pour l'instant, la priorité, c'est de finir cette phase de groupe le mieux allez, possible. Vas-y. De proposer un football inspirant pour gagner en confiance et consolider les fondamentaux avant le début de saison. Bon pressing pour récupérer. Et oui, c'est bon. La défense, c'est quoi cette défense, sérieux? Tout de suite, on dirait que c'est des pros. Le match est lancé, il va falloir réagir. Le jeu reprend après ce but concédé par Liverpool. Et ils se mettent en je sais pas quoi, ultra défensif, ces enfoirés là. Excellente la séquence de construction. Ah, ça joue avec Salah. Le centre de Salah. Voilà, c'est bien défendu. Du coup, le ballon. Et fais-moi des bons centres, s'il te plaît. Ah, la bonne lecture pour stopper cette offensive. Faites des efforts. Peut-être un bon mouvement offensif pour Liverpool. Ah tiens. Bonne détente verticale pour aller chercher le ballon. S'il vous plaît, faites des efforts, s'il vous plaît. Eh oui, c'est joué en deux temps. C'est lui qui vient alors que c'est lui le plus grand. Et la frappe. Ah, le ballon est contré. Ah, c'est pour Alexander Arnold. Des possibilités avec ce mais centre non, dans la surface. Sérieux, vous êtes sérieux là? Ah non, ça s'arrête là. Pedri. La passe à Lewandowski. Ferran Torres reçoit le ballon. Ballon sur Franck. Quelle passe tous les contres. Et attention à cette frappe. Ah quel dommage, ça ne donne rien. Allez, allez, je la montre, on dirait ces enfoirés là, vas-y. Il me saoule. Francky de Jong. Vous aidez pour aller un moment enfoiré que je dis à répétition là, mais. Clairement, pour pas dire des vues. On est bien joué, la bonne intervention. Des vulgarités. Darwin. Ah, ça joue avec Salah. Ballon pour Darwin. Ballon dans les airs pour alerter Salah. Le centre de Salah. Et c'est récupéré pour la défense. Darwin, il est à l'ouest, les gars. Il va chauffer le banc. Je vous le dis.
M'enlever Mané pour ce bouffon là. Là c'est ça les équipes, ils voient un joueur qui fait une belle saison, ça y est, il pose 5000 euros dessus. C'est ouf. Pareil. Après où ça se plaint de faire des chutes vers les grands attaquants comme Barcelone. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle la bite. Vas-y, vite, 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 s'il te plaît. Vas-y, on va faire du changement là. Déjà, Nunez, il va dégager. Minière. Éclaté au sol, Nunez. Éclaté au sol, oui, tu es éclaté au sol. On tire Migno. Genre fatigué là, comme ça. C'est pas possible. Le Migno, il est éclaté au sol. Qui que j'ai mis là? Mais j'ai mis Konaté. Je crois que c'était Keita. Vas-y, on met un nom offensif. On est obligé, les gars. On est obligé. On va du sang frais un peu là. Non, c'est pas possible. Et c'est parti pour la deuxième période. Le Barça mène d'un but. Voilà. Alexander Arnold pour l'interception. Sur le côté, Mossala, il a du champ. Le bon crochet vers l'intérieur. Oh, la tentative lointaine. Oh, le but! Let's go! Ça, c'est spécial. C'est ça, spécial. Quel coup de canon! Oh my gosh! Il faut de la conviction pour tenter une telle. Ah, il est magnifique! À cet endroit du terrain, beaucoup les gars! Pa, pa, pa. Gotcha. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Ballon piqué vers Ferran Torres. Et le déboulé dans la défense adverse, bien joué! Ferran Torres reçoit le ballon. La frappe de Lewandowski. Tire contré sans difficulté. Et voilà, directement dans les mains du gardien. Allez, on gagne ce match. Quand on voit ça, on est déçu. Frustré même, parce que le football, c'est le désir de donner et aussi le désir de recevoir. Là, il n'y a que de la frustration dans cette rencontre. Allez, faites-moi des actions offensives, ah, s'il vous plaît. C'était un peu le feuilleton du moment, mais c'est fait. Mais qu'est-ce que tu visais pas pour lui, je la demande. Franchement, c'est un problème, c'est pas si c'est pour moi, mais c'est un problème récurrent, là, tu vois. Après, c'est pas normal, je sais pas, genre, c'est le seul jeu complet de foot. C'est pas normal. Genre, on a comme si on avait que ce soir-là. Ouais, ça va, allez. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Allez, tout le monde monte. Salah vers l'intérieur. Elle a frappé bien contrée. Le ballon est intercepté. C'est une bonne récup. Allez, Foden, c'était payé 180 millions d'euros. Je te vois pas dans le match en plus. Je te vois même pas. Je te vois nulle part. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Ouais, un bon travail de la défense, c'est contré. Ouais, vas-y. Allez, tout le monde monte. Virgil van Dijk. Luis Diaz avec le ballon. Je te jure que je lui ai demandé de déborder. Hein. Pour obliger l'adversaire à monter. Je lui ai demandé de déborder, mais il déborde pas. Ça c'est vraiment... On part à l'offensive pour tenter de marquer ce but qui serait une délivrance. Ballon pour Henderson. Le ballon pour Luis Diaz. Ouais, Luis Diaz, s'il te plaît. S'il te plaît. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Et c'est la passe vers Ferran Torres. Le ballon sur Lewandowski. Frankie de Jong avec le ballon. Et ici l'occasion pour mener. Oh, c'est le là. Merde. Passe de défenseur de merde. De la victoire dans les dernières minutes. Quel match incroyable.
Vas-y. Mais partir fou, putain. Combien de fois on va reprendre ce même match, putain. Vous êtes relou. Pourquoi j'ai pris Liverpool, sérieux? Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine. Je vous ai dit qu'avec cette équipe, je vais galérer, aussi, je vous l'avais dit. Bien installé. Ici donc la team Dada avec Omar Da Fonseca à mes côtés. Dernière rencontre dans cette phase de poule d'un tournoi d'avant. Personne qui monte, c'est incroyable. Liverpool, je mettrai un autre offensif, on va voir ce qu'ils vont faire. C'est de finir cette phase de groupe. Mais qu'est-ce que vous me faites là? Oh. Proposer un football inspirant pour gagner en confiance et consolider les fondamentaux avant le début de saison. Côté Liverpool, voici donc le 11 qui débute. Regardez, très bon mouvement là. Et bon arrêt. Ça rentre ça, putain. Bien frappé ce corner. La défense s'en sort facilement. Ballon bien dégagé. Lol. Un focus sur Mo Salah, un artiste, un dribbleur. Alors forcément, on va s'intéresser. Sa grande qualité, c'est son aptitude à passer ses adversaires en vitesse. Moi, ce match, on le perd. Frankie de Jong. Le tir, pas possible. Une défense, franchement. Elle est dégueulasse. Ils ont une défense. Je l'aime pas. Faites-moi les passes là où je veux, s'il vous plaît. Si vous commencez à faire ça, alors qu'on perd. Le danger dans la profite vers l'axe. Elle le tire par bien. Et le gardien était bien vigilant. C'est vraiment une équipe qui fait peur, je vous le dis. Eh oui, c'est joué en deux temps. En fait, c'est même plus des joueurs offensifs pour Liverpool. Et c'est capté, là, sans trop de problème. Oui, faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Pas faute, non, il n'y a pas faute. Allez, Foden, s'il te plaît. Frankie de Jong, et oui, bien placé. T'es nul, Foden, bordel. André, il comprend pas le jeu, c'est incroyable. Ferran Torres reçoit le ballon. Mais... bien défendu dans sa propre surface. Mo Salah. Alors c'est Henderson. Il est saoulant là. Vas-y, fonce. Le ballon pour Frankie de Jong. Centre tendu vers ses partenaires. Laisse-moi. Coup de sifflet de l'arbitre. Coufran. Mais ça va pas dans la tête. Oui, t'as raison. Bon, centre comme ça au second poteau. Et c'est capté là sans trop de problème. Ouais, avec moi, sinon c'est impossible. Ah, la défense peine à se replier là sur le contre. Ah, le ballon est anticipé de justesse. Ils vont pas me faire la passe à 10. Nunes, je vais le sortir, je m'en fiche. La passe vers Lewandowski. Je comprends pas le jeu lui aussi. Attention à cette passe. Frankie de Jong. Pour jeu lui. Exceptionnel, le ballon écarté juste devant le but. On s'en soulève alors piquer vers le centre. Lui. Un chauffeur de banc, et là comme là tu me dis tiens, il joue. Le ballon pour Frankie de Jong. Oui, redonne-nous la balle, oui. Frankie de Jong, il peut frapper. Regardez. Je suis sûr que si j'appuie pas sur le bouton là, il. Allez, viens, siffle la. Allez, oui. Siffle la touche. Siffle la touche. Un mi-temps, siffle. Allez, vas-y. Dégage, Nunez. C'est pas proche, je te fais jouer, toi. T'es nul, Nunez, t'es nul. Comment ils ont pu. Clop, ils doivent regretter de t'acheter, tu m'as. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign.
wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Well. Il fait les appels, je jure que Nunez faisait pas les appels. Il faisait pas les appels. Là, il fait les appels, c'est parfait. Allez, 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 voilà, allez. Regardez ça. Voilà. La passe est bien éliminée, le défenseur est trouvé. Ça, c'est un attaquant. Dans une position idéale. Et pour finir, un ballon à quelques mètres de but, il n'y a plus qu'à la pousser pour marquer. Robert Lewandowski. Le ballon pour Ferran Torres. Busquets. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Allez, c'est parti. Un face à face à négocier. Mossala la frappe. Ah, le ballon est contré. Non, celle-là est. Un premier joueur pour nous, peut-être de prendre l'avantage. T'es dedans, celle-là, qu'est-ce que tu me fais? Sa corner bien joué, bien frappé. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Qu'est-ce que tu me racontes? Vas-y. D'après un certain nombre de sources, Moussa Diaby serait en passe de rejoindre le Paris Saint-Germain. Et oui, même si personne n'en sait rien, ça passionne tout le monde. On discute, on a un avis, on le partage. Les rumeurs des transferts, c'est le feuilleton du football par excellence. Allez, 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 prends pas de but. La frappe de Lewandowski. Et la bonne parade du gardien. Génial, c'est concret. Il est bien frappé ce corner. Et cette tête va directement dans les bras du gardien. Ça manquait de puissance et de conviction. Allez. Attention, l'enthousiasme, les occasions nombreuses ne doivent pas se transformer en frustration. Il faut cicatriser l'échec, avaler la déception pour pouvoir prendre l'avantage. Et la priorité maintenant, c'est de récupérer le ballon pour avoir à nouveau. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites des efforts. Et la balle change de camp. Faites des efforts, s'il vous plaît. Ah, le bloc est reculé pour inviter l'adversaire à laisser des espaces. Foden, continue ta course. De risque, ce ballon est dégagé. Je vais te la mettre, bordel. Je vais te la mettre. Je sais que je vais te la mettre. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Chiant. L'occasion de prendre l'avantage. Et vas-y, défenseur de merde. Peut-être le but de la victoire dans les dernières minutes. Quel match incroyable. Et cette fin de match avec un but qu'on n'attendait plus. Allez, vas-y, vite. La victoire après tant d'efforts. Va te faire foutre, Marc Fosseca, va te faire foutre. Extrêmement important, il pourrait bien leur offrir la victoire. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer. Je suis pas concentré. Ouais, bien joué, la passe pour créer le danger. André, ils veulent vraiment que je parte ce match, ces enfoirés. Ouais, bien fait, le danger est repoussé. Allez, hey, fonce. C'est peut-être là, une des dernières attaques pour Liverpool. Mais vas-y, s'il te plaît. Alors, il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Mais c'est et bon. On en reste là, le coup de sifflet final donc, de l'arbitre. Je ne refais pas le match, je ne le refais pas. C'est pas possible. Non. Je le refais pas, je m'en fous. Allez, ciao, je m'en fous. Ciao, laisse-moi tranquille. C'est bon, c'est un match, c'est pas pour moi ce match. Allez, ciao, laisse-moi tranquille. C'est un match, il me rend malade. J'ai vu la défense éclatée que j'ai, bordel. Aïe, aïe, aïe. Et derrière, je sais même pas qui j'ai Konaté, il est éclaté au sol aussi. Il a 81, oui. Qu'est-ce que je veux faire avec un défenseur de quoi de Ligue 2, ça? Je me rends compte. S'il vous plaît. Faites des efforts. Simulation, franchement. Et non, on simule. Je suis fatigué.
En plus, bon, vers les mêmes entraînements, franchement, cette année, cette saison-là, ils n'ont pas fait d'efforts. Ils n'ont pas fait d'efforts, je vous le dis. Premier match de la saison. Je joue contre Manchester City. Ah ouais, incroyable. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Non, 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 merci. Lui là, vous le voulez lui? Mais oui, bien sûr, j'accepte direct. Franchement, c'est un joueur que j'ai jamais utilisé, donc lui, il peut partir. Il peut partir clairement. Que c'est bon, lui c'est qui? Lui, même lui il peut partir. Délégué. Oh, je le vends franchement. Quoi que vas-y, tiens, quoi, je le garde. Non, j'ai pas envie. Mais ne me dis pas que le Thiago il part là. Je pète une caps. Négociation club, pas d'action disponible. Non, 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 non. Je veux dire Thiago. Vous voulez quoi? Vous voulez que j'ai pas de milieu? C'est quoi ça? Laisse-moi tranquille. Prochain match City. Si contre Barcelone on a galéré, contre City, qu'est-ce qu'on va faire? Après je l'arrive au les Foden. Je l'arrive au les Foden donc je sais pas, on verra. Prochain exercice. Après c'est la fatigue aussi les gars. C'est la fatigue. Ça je vois que je suis fatigué, j'arrive pas à me concentrer pendant quand je joue. Je suis là, je fonce sur un joueur que 15 touches avant de tirer, c'est pour ça. T'es un professionnel, que tu me racontes. Et bam. What the hell? Mais non, mais ça tire directement, ça, normalement. Qu'est-ce que tu me racontes, s'il te plaît? Pourquoi, quand je fais des passes, ça le fait pas au bon joueur? Faudra m'expliquer ça, par contre. Mais ça c'est au fond normalement. What the hell? Mais c'est quoi ces joueurs en carton? Mon entraînement il galère. C'est poussif. C'est vraiment poussif, tu te rends compte du délire. Là il m'en met en défense. Voilà. En plus tu mets Phil Foden défenseur, mais est-ce que t'es sincère? Phil Foden défenseur. What the hell? Il est vraiment lol. Hein. Moi même Phil Foden défenseur frère. C'est un défenseur, oui bien sûr. Oui bien sûr. Ah, ça va, je défends bien. Comment sa qualité de la truc? Là, je suis en 5G là que je me raconte. Putain, il m'a fait ce message alors que je suis en 5G, c'est des ouf. C'est des ouf. Ah, contre-attaque. Ouais, avec Juliet. Faire une contre-attaque avec Juliet, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Ok. Mais un crochet m'a cassé les reins. Waouh. What? Et ils aiment bien les essais, ils aiment bien mettre des essais. Il y a un professeur de maths, le mec. Mais des essais, sérieux. On va voir si je le mets là.
J'ai une bonne connexion, putain. Que je me raconte. Je vais me raconter, s'il vous plaît. Bien sûr que j'ai une bonne connexion. Voilà, bien sûr que j'ai une bonne co. Qu'est-ce que vous mettez? Ah, je pense, j'avais eu peur, je pensais que j'allais avoir les. Parce que l'autre jour là, c'était. Enfin, hier c'était hier, mais j'ai eu l'autre jour. Mais qu'est-ce que tu me fais? S'il te plaît. Et voilà. Je mangeais un C à cause de Foden, que j'ai acheté à 80 millions d'euros. Franchement, les. En fait, la maîtrise de balle cette année. Genre, si t'as pas une certaine technicité, genre, si t'as pas une certaine note, je crois que t'es vraiment compliqué avec le ballon. Je te le dis. Ouais, voilà. Genre, Diaz là, lui, tu sens que. Il y a quelque chose dans les pattes. Il y a certains joueurs comme Konaté, je sais pas quoi là. C'est compliqué, je vous le dis. Voilà, il met des. Mais amusez-vous à mettre des C, vas-y. Mais des F. Amusez-vous. Je commence à avoir froid, je vais fermer la fenêtre. Allez, mettez-moi un match, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il me raconte? Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez. Je vais tout déléguer. Oh, mais il est pas à vendre, Thiago, les gars. Pas à vendre, je vous le dis cash. Hein. Vous me demandez Thiago alors que j'ai pas donné mon là. Allez, premier match, je vais jouer contre. Contre Titi. Je vais jouer contre Titi, premier match, les gars. Incroyable. Ah, c'est le Community Shield. Ok. On va voir si on va gagner en vrai. En vrai, si on est concentré, on peut gagner. Thanks, guys. We can get going now, yeah? Je suis là. En place. Costa Crave. On me ressemble en vrai ou pas? Vas-y. Attendez-vous de ce choc face, contre votre adversaire Man City. On va tout faire pour gagner. On a confiance. On va se focaliser sur notre jeu. Vas-y, s'il te plaît. Et là, la log est compliquée. The Gotcher. On va jouer comme d'habitude. J'ai ces émotions pour gagner, j'en ai besoin. Là, c'est vraiment mon état d'esprit là, en ce moment là. Bien sûr, bien sûr. Maîtriser ses émotions d'ailleurs, c'est vraiment le plus important. Il faut que je mette focus, que je mette ma fatigue de côté. Bien sûr qu'on a créé une équipe pour gagner. Si je dis à mon équipe autre chose, ça va leur donner. Comment dirais-je? Un sentiment de. Si j'avais pas confiance en eux. C'est ce que je veux dire. En plus, c'était à Liverpool. Après, c'est clairement Man City. Je sens qu'Alain il va faire mal. Hein. Je vous le dis. Alain il va faire très très mal. Oh, ça va. Tout le monde est en forme. Nunes, s'il te plaît, tu vas aller sur le banc. Tu vas aller sur le banc tout de suite. Tout de suite. Ouais, ça va sur le banc. Je me cache. Sur le banc, je vais jouer en offensif. Non, c'est bon, je mets comme ça. Je vais jouer comme ça. Foden, c'est magnifique comme ça. J'aime bien. Et après, peut-être je lirai Thiago, on verra bien. On verra. Mais non, ça va. C'est parti.
contre, ça va, ils ont l'équipe lourde, hein. Enfin, la grosse équipe. Mbappé. Ce moment, il est dans le jeu, Mbappé. Je sais pas ce qu'il a. Et dans le dur, enfin, dans nous le dur. Y sommes. Ça fait un moment que la pression monte autour de ce match. Les deux équipes vont pouvoir enfin en découdre. Tellement marqué. Et dans le dur. De Bruyne, il est là, l'homme fort. Très puissant ce joueur. Salut à toutes et à tous. Bienvenue à Londres, direction le mythique Wembley Stadium. Ici Benjamin Da Silva et j'ai donc à côté de moi le poète Omar Da Fonseca. Et à venir le lever de rideau de cette saison de foot qui démarre, Liverpool contre Manchester City. C'est le match le plus important des matchs pas importants. On a le droit de ne pas être au maximum, on n'a pas le droit d'être ridicule non plus. Haaland qui reçoit le ballon. Attention là, c'est Haaland. Un bon arrêt du gardien. Là, il y a une déviation. La défense, ça me fait peur. J'aime pas la défense, franchement. Sont là en fait. Ah, c'est mal joué, c'est mal dégagé. Ça peut profiter à l'adversaire. Attention la frappe. Quel tir puissant, mais le but n'est pas au rendez-vous. Sont lents, ils sont, en fait ils sont lents. Parce que manquer la cible, la cible près du but. Haaland le cyborg, il est là. C'est peut-être ils font sur moi comme un fou, comme un malade. Ah non, la mauvaise passe. Regarde où on perd la balle. Mais presque comme jamais. La réception, occasion avec cette frappe. Ah, le ballon repoussé mais pas maîtrisé. Et le danger est éloigné. Très bon arrêt. Il a utilisé l'extincteur. Il y avait le feu. Monsieur, il y avait le feu. On va voir leur réaction après cette intervention. Pas fort ça. Ça joue l'arbitre. Avantage pour Liverpool. Mitterrand était en rouge là même. Et ça joue avec Fabinho. La frappe contrée sans souci. Ah oui, Phil Foden est incontournable dans les débats et les conversations. Et il rencontre pour la première fois son ancienne équipe aujourd'hui. Donc forcément, ce match va avoir une saveur un peu spéciale pour lui. Peut-être, au début, il va avoir une c'est pas pour toi. Mais les joueurs sont des professionnels. Ça va m'énerver, je pense. C'est pas question de céder à la nostalgie quand on joue à ce niveau. Le meilleur moyen, c'est pas compréhensible. Le match sans penser au contexte, aux réactions qu'il peut avoir. Je vais enlever le pass assisté parce que... Peu importe, je sais pas s'il y a ça, mais... C'est le passé. Ah, l'équipe pousse pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Ah non, il faut s'appliquer sur les transmissions. Sincèrement. Erling Haaland. Ouais, précis, qu'est-ce que tu me fais sérieux? C'est bien joué. Je demande de faire une passe, tu tires comme un ouf. Haaland qui reçoit le ballon. Jack Grealish. Oh, Alisson là qui va aller chercher ce ballon. C'est dur, je vous dis, les gars, je vais être concentré pendant le match. Hein. Petite combinaison. Riyad Mahrez le tire. Et voilà, il parade, mais c'était pas fini. Et finalement, le gardien s'empare du ballon assez facilement. Qu'est-ce le premier arrêt était magnifique, mais le danger n'était pas encore écarté. Le ballon s'est enfin contrôlé. Mais c'est quoi? C'est l'ordinateur qui joue avec moi ou c'est comment, les gars? Il m'énerve ce joueur, je vais le blesser, franchement. Erling Haaland. Ouais, cette passe, elle est bien vue. Haaland, le gardien s'interpose, quel arrêt! À cette distance, c'est même un miracle de parvenir à détourner le danger. Ah, il est bien frappé ce corner. Oui, wow. Joli réflexe. Et voilà, donc l'arbitre vient de... S'il vous plaît, arrêtez. Ces tirs sont puissants, c'est incroyable. Tu ressens qu'il se lâche pas, ça me donne l'impression qu'il... C'est des équipes de machines. C'est à la moindre occasion, il faut qu'il la mette au fond, les gars. Coup de cette deuxième mi-temps. Ah. Non, mais dans les yep, les gars. Dans les yep pour faire les passes. Sincèrement. Depuis quand il est technique, ce joueur, déjà? Et
Alexander Arnold remporte ce duel. Et fin des spéculations, ça faisait un moment qu'on en parlait. Le transfert est confirmé. Vu son âge, ça ressemble beaucoup à un dernier transfert. Pour cette équipe, c'est aussi l'occasion de magasiner beaucoup d'expérience à son contact. Je sais pas, Mbappé, franchement, il m'aurait fait du bien. Ouais, c'est intercepté, Liverpool qui perd le ballon. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Haaland, et ça rentre, voilà le premier but du match. La récompense pour une domination, et c'est logique. Ah, le match reprend, dégueulasse, incroyable. Ouais, bonne intervention là. Allez, vas-y. La passe pour Rodri. Erling Haaland. Haaland qui reçoit le ballon. Le ballon pour Haaland. Haaland. Ouais, pas mal. Il y avait l'idée, mais ça passe au-dessus. C'est un changement pour Manchester City. Mais what? Le ballon perdu par Liverpool. Jack Grealish en approche. Attention là, c'est Haaland. Et Alisson qui détourne. Même si c'est pas Alisson dans les cages, j'ai combien? Combinaison sur ce papier arrêté. Dans le jeu. Je vous l'ai dit, ça va être dur. C'est à l'intérieur. Oui, il y a de l'espace. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Et une occasion de contre à négocier. Ça joue avec Salah. Phil Foden reçoit le ballon. Ah, il peut frapper pour égaliser. Mais hey. Voilà, yes. Il est relancé. Yes. De Liverpool. Let's go, ciao. En jeu. En jeu. Regardez, la clé de ce but. Oh, c'est ce j'ai ballon peur. Très dangereux dans l'espace. J'ai peur. C'est plus facile pour attaquer. Et regardez, la pression de Fossil. Allez, on lâche pas le mental, les gars, le mental. Il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Comme ça va trop vite, le truc. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes. City, ça va trop vite. Faut que je prenne des buts. Erling Haaland. Avec le peu de temps qu'il reste, si une équipe marque, la rencontre est sans doute terminée. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Tac. Mo Salah. Allez. Et ça passe encore par Thiago. Très bon timing. Vas-y. Pour cette interception. Encore 2 minutes à jouer et ensuite tout le monde au vestiaire. Merde. Et c'est donc terminé, toujours pas de match. Le coup d'envoi de... Non, non, non... Ne me dis pas que c'est pénalty. Et voilà, le premier tireur se présente. Frappé plein axe. Et tiens, enfin, ça. C'est placé, propre et précis. Les 3 P. Et allez, yes. L'intervention, le miracle. Ça rate terre et c'est dedans. Comme dans 80,6% des cas, c'est la meilleure stratégie. Et voilà, c'est au fond. Il n'a pas tremblé. Et ça va. Ça tremblé, c'est propre. Ça, Thiago. Et voilà, parfaitement frappé. Et oui, ça paraît même facile. Oui. Se concentre. Bien joué, parfaitement exécuté. La pression est maintenant sur l'autre équipe. Alors allez, attention, allez, parce qu'il ne faut pas le louper, celui-là. Je l'arrête là. Et pour nous. Et oui, c'est dedans. Et une bonne chose de faire. Est-ce que je la mets en vrai? Il n'y a plus de calcul. Si le tir au but est transformé, c'est gagné. Ah, oh, Foden. On est revenu. Oh là, l'entraîne. Yes. Et c'est le hasard qui décide. Dégoûtant. Penalty, ça se prépare. Ça c'est pas déjà.
c'est le moment où on doit. Et alors là, et j'ai failli la mettre au milieu. Oh, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Incroyable. Je l'ai mérité le trophée, oui, je l'ai mérité. C'est le mental. Ils ont raison de s'enflammer quand même. C'est il ça. Faut se réchauffer le cœur. Et même en début de saison. Je crois une stat qui sortit la dernière fois. Je crois que Klopp, il lâche, je crois, 9 victoires, un truc comme ça. C'est mieux que de commencer contre uniquement 5 ou 4 face à Guardiola. Et le trophée, il est là. Le trophée, il est à la maison. Il rentre à la maison, le trophée. Ah, premier trophée. C'est magnifique. Et ouais, les Reds, on a là. Après, c'est le poids de l'histoire aussi qui part. C'est le poids de l'histoire. Hein? Petite photo des familles. Ça n'a qu'à de sourire, c'est quoi ce délire? What the hell? Ok, Wanderer. C'est pas un trophée de premier plan, mais oui, ah là là. On a le droit au flash et au protocole, bien sûr. Oui, magnifique. C'est vrai que c'est un bon moment des respirations. Chant des délires cool là, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est parti ici, monte. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On l'avait préparé ce match, hein. Qu'est-ce qu'il raconte là? Oh, à l'interview, ce qu'il y a à dire. Au revoir. Let's go, tro. Can we ask you a question? Is there? Tout le monde est heureux. Bien sûr, tout le monde est heureux. Tout fier de cette équipe. Tous fiers, t'as dit, je savais qu'on était. Bah, je savais que j'allais le faire, je savais. Bien que j'avais certaines réticences. Hmm. Quand même, voilà, la vie de coach, vous la connaissez, la vie de coach. Hein. Là, c'est la phrase pour les caméras, pour les médias, pour les journalistes. Pas pour la chaîne L'Équipe, bien sûr. Ni pour la chaîne Guido, tic-tac, 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 tic-tac. On récolte ce qu'on en somme, ça devrait le motiver. Non, 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 je vais le. Faut que je le garde avec moi, Jota. Faut que je le garde avec moi, j'en ai besoin. Je sais pas, Nunez, franchement, il va chauffer le banc d'une manière. C'est pas possible, Jota. En plus, c'est qui a égalisé? C'est Firmino, non? J'ai misé sur la victoire. Allez! Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on se bat. Jusqu'à la dernière minute. La dernière seconde. No further questions, thank you. Good turn. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Regarde la victoire là, elle m'a rendu un peu rayonnant, oui. Voyez-vous. En plus, Foden qui marque le penalty de la victoire. C'est juste magnifique, c'est Foden qui vient vous mettre la petite gifle. Défenseur à suivre. Aïe aïe aïe. C'est vrai qu'il me faut un défenseur, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Dernier objectif, faire une série de 15 matchs avec au moins un but marqué cette saison. Ok, progression objectif, réduire les salaires des joueurs de 170 000 euros par semaine. Réduire les salaires. Je sais pas que ça va faire, les gars. Remplacer 3 joueurs de l'équipe. Ah ouais, quand même. Il faut que je le fasse quand ça? Bon, je le ferai un peu plus tard. J'ai combien de temps pour le faire ça? On va voir. Note de confiance. Comment je réduis leur salaire là? Il faut que j'aille où?
Faut que j'aille où. Ah ouais, l'équipe elle est éclatée, elle est fatiguée. Ah, c'est dans le bureau, non? Ah ouais, 7 millions. On va voir. Comment je fais, les gars? Oh, on peut changer la tenue. C'est magnifique, ça. Je savais pas du tout. Incroyable. Et pas du tout, mais ça sent en l'air parce qu'il me ressemble quand même. Mais ça, c'est magnifique. Ça, j'avais pas du tout, bordel. On va voir la petite chemise rouge, elle a l'air magnifique. En noir. Ouais, mais je pars, j'enlève le costume alors. J'enlève le costume. C'est tout que pour le t-shirt. C'est nul. Ah, la veste aussi. C'est cool ça. Mais ils m'ont mis que des trucs comme ça. Moi, je veux un petit survêt des familles. Petit survêt des familles. Ouais, non. Ah, tu sais, petit truc à la Jurgen Klopp, tu sais. Y'a que ça, pas sincère. Ouais. J'aurais pu faire un effort. On va le mettre ça tout bien. On va changer le bas, parce que là, ça fait bizarre. Hein. Survêt les gars, un survêt. Mais il est moche le survêt. Allez gars, on va le laisser comme ça. Tiens, on va mettre beau gosse. On va le mettre beau gosse. Ah comme ça c'est magnifique. Allez, on va mettre une petite chemise là. Des familles. Oh leur truc il est mal foutu un peu. On va casser un peu la couleur. Je sais pas quoi mettre ces armes. Le jean est dégueulasse aussi. Il est dégueulasse le jean en vrai. Mort de rire, il est dégueulasse le jean, c'est incroyable. Quelle heure tu mets ça, ce truc? D'accord, on va mettre un classique. Bien noir. Hop. Veste. On peut mettre des lunettes, apparemment. Oh, s'il vous plaît, faites un effort, s'il vous plaît. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Les chaussettes, sérieux? Ah ouais, il m'a mis les chaussettes. Ah, les chaussures, c'est pas mal. Ce qu'il y a. Je vais lui mettre ça en vrai. Attends, je vais le mettre à sortir au pull. Magnifique. Ouais, magnifique. Attends, on va voir s'il y a des lunettes. Apparemment, il y a des lunettes. Apparemment, je peux porter des lunettes. S'il vous plaît, je peux aller sur lunettes, s'il vous plaît. J'ai aucun accessoire. C'est nul. C'est nul, les gars. Ouais, ça suffit.
Oui, vous sauvegardez vos changements. Oui, je sauvegarde mes changements. Parce que ça, c'est magnifique, tu vois. Non, je vais pas quitter. Attends. Qu'est-ce que je veux faire là? Est-ce que je peux regarder mon budget, s'il vous plaît? Parce qu'on me demande de réguler les budgets des trucs. Mais je sais pas où faire ça en réalité. Bon, écoutez, on s'en fout. On s'en fout, allez, c'est parti, on continue. Ah, on va jouer contre Arsenal finalement. Prochain match qui arrive, Arsenal. Attends, on va voir si je peux le déléguer ça en vrai. Je vais voir tout le début. Ah. C'est moi, allez, c'est moi, c'est moi. Et... on fait l'entraînement après, on va faire un petit match là vite fait. D'ailleurs, on va bientôt commencer les matchs en ligne, les gars. Je vous l'annonce. On va bientôt commencer les matchs en ligne. On va essayer de monter en division. Après, on verra bien. Parce que là, je commence à avoir une belle équipe sur Fut. Attendez de la découvrir, vous allez voir. C'est du lourd. On va aussi commencer à streamer sur du Fortnite, sur du Fall Guys, sur des jeux à venir dans je dirai les titres pour le moment. Mais je vous laisse la belle surprise. Vous allez voir, vous serez pas déçu. Comment dire, et aussi des jeux que je ferai découvrir, que je jouais. En fait, c'est des jeux auxquels j'avais joué quand j'étais tout petit. Enfin, en fait, c'est des jeux qui ont marqué mon enfance. Donc du coup, c'est obligé que je vous les fais découvrir. C'est obligé. Ces jeux-là, c'est obligé. Un instant. Pourquoi ça a changé le truc? Ah, mais c'est le thème de la première ligue. Je me disais, pourquoi c'est bleu clair? Mais tout à coup, c'est bleu clair. Je me dis, what the hell up? Qu'est-ce qui se passe? Allez, au fond, ça là. Là, c'est au fond. C'est au fond, ça aussi. Qu'est-ce que tu fais, bordel? Laisse-moi tranquille. Ah, il est trop fort, les gars. Franchement, c'est la seule garantie de cette équipe, franchement, en défense. Parce que la défense, qu'est-ce qu'elle fait peur. Franchement, elle est à l'effigie de cette année. Hein. Elle est vraiment à l'effigie de cette année, cette défense que j'ai. Oh, si ça rentre. Allez, voilà, dedans. Voilà, il est meilleur, là, comme ça. Même à l'entraînement, genre là, c'est pas trop choquant. Là. Tout à l'heure, avec les costards, ça, ouais, je sais pas quoi, là. Ça allait trop pas, genre, c'était... Genre, what the hell? Qu'est-ce que tu fous, mon gars? Alors là, tu me dis, ouais, ça passe, tu vois. Qu'est-ce que tu me fais? Allison, s'il te plaît, calme-toi. On n'est pas en match. C'est marqué des attaques, quand même, tu peux. C'est de leur donner de la confiance. Ils mettent un C, mais ils sont sérieux, ces gens? Vas-y. Ah, nouvel entraînement, cet entraînement, je le kiffe, je sais pas pourquoi. Ah, c'est parti, là, les gars. Qu'est-ce que tu rates? Mettez-moi de plus près la prochaine fois. De plus près. Puis, m'a mis Darwin Nunez, comme si c'était je sais pas quoi. Alisson, il est chiant, les gars. C'est au fond tous les jours ça normalement.
Il va avoir une puissance de frappe plus dégueulasse. Non, 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 non. The hell? Ok. Ils veulent pas que je marque. Il a mis aucun but, je crois. Et tiens, Jota, il en a une. Nunez, je vous dis, il marque pas. Incroyable.